c'était pas un match facile et nous avons donné le meilleur de nous. On n'a pas baissé les bras. Bon, c'est une grosse équipe. Ouais, on n'a pas eu peur dès l'entrée. On s'est lâché. Elles m'ont fait mentir parce que j'avais dit que c'était la première fois depuis que j'étais à Chamalières, qu'en deuxième partie de saison, on n'avait pas bonifié notre jeu. Donc j'espère que c'est un premier pas et qu'on va confirmer sur les matchs qui nous restent. Parce que j'avais un peu ma crainte, c'est que je trouvais qu'on n'était pas aussi efficace, efficient que les saisons précédentes après la trêve. Alors j'espère qu'elles m'ont fait mentir et que... Finalement, avec peut-être moins de pression sur l'enjeu, elles arrivent à montrer ce qu'elles montrent à l'entraînement, parce que paradoxal, mais à l'entraînement, c'est ce qu'on voit là, de l'engagement, de la discipline, des fautes techniques, comme en fin de set, des fautes qu'on commet, mais c'est voilà, il faut réussir à le répéter maintenant. Je me suis sentie à l'aise. Le coach m'a fait vraiment confiance et j'ai vraiment aimé. Au début, c'était, vous savez, c'est ma première fois de jouer en France et ça m'a un peu surprise, je vois un peu. Et bon, au début, ce n'était pas du tout facile. Je ne parvenais pas du tout à m'adapter. Maintenant, je sais adapter et je vois que j'ai le niveau de la Pro A. On voit les lacunes qu'on peut avoir individuelles parfois et c'est facile de jouer un ballon à un partout et de stabiliser sa technique. Et à 23-23, stabiliser sa technique, c'est un peu plus compliqué. On a démarré avec le 6 majeur entre guillemets et dès le début du match on a fait tourner, on n'a pas eu le même rendu. Là ça commence à payer, mais de toute façon une joueuse comme Adiana par exemple, on l'a bien vu, le peu de temps de jeu qu'elle a eu en première phase, elle a été à chaque fois performante, hein, donc c'est pas une surprise. Ensuite sur les rotations, reposer Nana, oui, parce qu'elle sortait de 16-7 de suite, avec la tension il fallait marquer des points. Donc il fallait aussi la préserver. Et puis Léa, pareil, Léa était aussi sur la même dynamique que Nana, avec 16-7 de jouer à la suite. Donc voilà, ceux qui reprochaient qu'on ne faisait pas tourner, là ils en ont pour leur argent.